Vous faire découvrir les dernières tendances. Ah oui, ils peuvent le faire. Yes, Weekend. Ouais, on va pas parler de nouvelles tendances, quoique on va parler de nouvelles stars. Vous le savez, l'émission est de retour sur Plug RTL et avec évidemment les résumés quotidiens backstage. Donc on retrouve ça sur Plug RTL. Des grands moments, on peut le dire. Ah, les grands moments, ouais. Les coulisses. Et je peux vous assurer qu'il y a du lourd, du très très lourd. Et puis en parlant de lourd, on retrouve non, elle n'est pas lourde, mais en termes de talent, de potentiel, la jeune Camélia Jordana est dans le Weekend de star cette semaine. Oui, la jeune chanteuse, lauréate malheureuse, effectivement, de la nouvelle star avec un premier single Non, nous revient. Elle traînait, il n'est pas plus tard qu'avant-hier, en fait, dans les couloirs de Radio Contact. Je l'ai chopée comme ça, l'occasion de lui demander ce qu'elle faisait de ses week-ends. Et tout d'abord, commencer avec une question pertinente parce que je la croise et j'ai failli pas la reconnaître. Bonjour Camélia. Bonjour. Mais où sont passées vos lunettes? Je les ai oubliées en maquillage tout à l'heure. Ah, d'accord. Camélia, qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, vous? Qu'est-ce que je fais de mes week-ends? Alors, généralement, le samedi, je le passe chez Babix, samedi soir. Avec des amis et puis on sort, on écoute de la musique, on mange des bons plats super cool cuisinés par Babix. Et le dimanche je fais que dormir et puis le dimanche soir accessoirement je fais un peu de ménage et un peu de lessive. Ah oui, une vie toute simple finalement. Ah bah oui. Et le, non, alors ce que je fais aussi des fois c'est que le vendredi ou le samedi soir je vais à des concerts gratuitement, donc ça c'est cool. C'est ça qui vous plaît, c'est les petits plaisirs tout simples finalement. Bah, petit plaisir tout simple, je sais pas si on appelle ça des petits plaisirs tout simples, mais ouais. Si, il y a des gens qui adorent sortir, plaisir. Faire la fête, non, se boire la gueule. Non mais moi aussi j'adore ça, mais, mais à côté de ça il y a aussi, je sais pas, un week-end sur deux c'est bien. Un week-end sur deux où on sort et on un week-end sur deux où on se repose et puis l'autre on se déchire. Voilà, c'est cool. Non mais c'est vrai, c'est cool. Mais moi les week-ends où je me repose vraiment. Et puis c'est vrai que c'est très bon aussi de sentir sa famille autour de soi, ça fait du bien. Ah ouais, la famille autour de soi, ça c'est vraiment une récurrente chez presque toutes les stars qu'on a interviewées dans le Weekend de Star. Ils ont besoin de ça. Le faut week-end, comme nous. Faut comme bah nous. Ouais. Ah oui, mais vous comme êtes des stars, le les enfants. Mais non, mais pas du tout. Mais si. Comme ils font, comme tout le monde. Arrêtons deux minutes. Ils ont des week-ends de stars. Ils vont chez papa, chez maman. Ils font leur linge, comme tout le monde. En attendant, moi, je suis assez fan du premier single en fait de Camélia Jordana, qui s'appelle Non. On écoute un petit extrait. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non. Je ne veux pas prendre l'air. Ouais, moi j'aime bien. Un peu 60s, comme le disait Hélène. Ouais, c'est pas mal. Oh, voilà. On attend de ça. On va attendre. Ah bah là, ça a venu dans l'ultra top prochainement, à mon avis. Hein. Ouais, là, ouais, ça n'a pas tardé. Je pense que ça arrive incessamment sous peu. Hein. Alors, vous aimez, vous détestez? Non, j'aime bien. Ouais. Et puis, je pense que les gens aussi. Donc, 66-91, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous manifester dans quelques instants. Le résultat du concours Woman on Top. Qui va repartir avec ses places? Mesdemoiselles. On sait le faire. C'est un peu votre week-end, on peut le dire. Ça se passera le 27 mars. Donc, pas ce week-end, mais le week-end d'après, ça va être la folie. Bref, c'est pour vous dans quelques instants. Et tu seras pas là. Radio Contact.